exprimer de vive voix toute notre reconnaissance à votre endroit et à l'endroit des autorités de ce pays pour tout ce qui a été mis en œuvre pour nous permettre, n'est-ce pas, de mieux nous installer. Il est temps pour nous, n'est-ce pas, de montrer à l'opinion internationale que le handball africain grandit. Donc, Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous sommes venus vous dire merci de vive voix pour tout ce que vous avez fait. Aussi rappeler quand même que on ne pouvait pas passer sous silence tout ce que vous avez fait pour l'État de Côte d'Ivoire, a fait pour la Confédération en abritant nos bureaux ici avec vous pendant plusieurs années, depuis 1978, que l'administration de la Confédération est transférée à Abidjan. Je pense que la meilleure façon de dire merci, c'est en bon locataire, c'est de rendre propre le site et de venir dire merci aux propriétaires pour nous avoir hébergés pendant plusieurs années. La CAB a été locataire de certains bureaux ici au cinquième étage de la Tour B. Et la CAB s'en va dans ses locaux de Cocody-Danga. Cocody-Danga qui abrite désormais le siège de la Confédération africaine de handball. C'est avec toujours un pincement au cœur que nous voyons nos équipes partir à l'assaut de l'Afrique et revenir bredouille. La dernière médaille continentale date de 1996. En remettant ses clés aujourd'hui, la CAV doit se dire que le ministère entend voir notre équipe nationale sortir désormais de l'aéroport international et revenir avec des trophées pour venir meubler ces bureaux-là. Que ce soit les bureaux de la CAV, mais surtout les bureaux de la Fédération ivoirienne de handball. Je l'ai dit avant de rentrer dans cette salle au président que le handball fait partie des 8 disciplines que nous appelons disciplines nationales. Partout dans le monde, les pays se fixent des objectifs. Et nous souhaitons, nous voulons même que la Fédération ivoirienne de handball se mette au travail. L'État entend mettre les moyens à la disposition des équipes qui veulent gagner. L'État entend récompenser les équipes qui gagnent. Et c'est pourquoi, avec la loi sur le sport, les athlètes auront désormais un statut en Côte d'Ivoire. C'est une avancée. Les championnes d'Afrique des années 80-90 n'avaient pas de statut, mais elles ont été championnes d'Afrique. L'État veut revoir de nouvelles élites au niveau du handball, mais avec un statut. Et tout comme nous sommes engagés à organiser la CAN 2021 de football, la Côte d'Ivoire sera prête pour abriter d'autres compétitions majeures, puisque c'est le vœu du chef de l'État. Et nous pensons que le handball peut beaucoup nous apporter. Thank you.